Le curling se joue sur une patinoire sur laquelle on fait glisser une pierre d'une vingtaine de kilos. Le but est d'approcher sa pierre le plus possible du centre tout en empêchant ses adversaires de faire de même. Je vais être honnête, pour moi le curling ce n'était qu'une version revisitée de la pétanque du sud de la France sans le soleil, la chaleur, les cigales et le pastis. Tu tires ou tu pointes ? Je pointe. J'avais tort, le curling est bien plus complexe que je ne le croyais. Le curling consiste à lancer une pierre de 20 kg dont la surface de contact est minimisée par la concavité de la pierre sur une glace perlée qui réduit encore la surface de contact et empêche la succion, avec des balayeurs qui frictionnent la glace pour créer une couche superficielle d'eau, allongeant alors la distance de course de la pierre, course qui se termine en déviant de sa trajectoire. À cause de la rotation combinée à la translation de la pierre, mais dont on ignore si la déviation a été créée par un frottement solide ou liquide. Ok, il va falloir plusieurs vidéos pour expliquer tout ça. Abonnez-vous pour voir les prochaines vidéos sur le curling et sur les Jeux Olympiques de Sotchi ou encore sur d'autres sujets. À bientôt !